Bon, t'es prêt pour leur faire une petite surprise? Eh ben écoute, je pense qu'ils vont être contents. Maintenant, on a plus le choix. Maintenant, on s'attaque aussi aux choses sérieuses et on y va. Là, on blague plus maintenant. Allez, c'est parti. Allez, go. Bon, et boulot, hein? Un chouïa. Bon, bah, allez, on va ouvrir tout ça. Bon, ça y est, on y est, hein? Putain! Là, va y avoir un peu de taf. Bon, hé, tu t'y vois? Grave. Bon, c'est parti? Allez, sacré projet. Ouais, il y a un peu de boulot quand même, un peu de réparation, un peu de bazar. À la place! Un peu plus, en tout cas. Ouais, léger, léger. Bon, bah maintenant, on va attaquer les travaux. Ouais. Parce qu'il y a du boulot. Et il y a du budget. Parce que là, il y a un peu de taf quand même. Mais ouais, ça va être chouette. Ça va être carrément chouette. Là, tu vois, on peut faire un putain de truc ici, là. On reçoit les abonnés et tout, avec la fosse. On peut faire de la méca ensemble. Ça peut être carrément chouette. Là, on peut mettre maman avec la boutique. Ouais, tu vois, ouais. Là, on peut mettre notre stock et tout. Terminer les ruptures. Finir les galères. Tu vois. J'ai rien. Un petit sol, là, s'il faut, sympa. Petite dalle en quartz. Là-bas, au fond, regarde. Personne t'emmerde, tu peux faire ton nouveau garage pour la chaîne. On peut tout filmer, peinard, et comme ça on bosse tous au même endroit quoi. Et là on a quand même de l'espace pour accueillir les gens. T'imagines là, on va enfin pouvoir leur dire de venir. Et ils vont pouvoir venir et là bah du coup c'est terminé, hein, il n'y aura plus d'a priori. Les gens pourront plus dire qu'on le fait pas ou qu'on le fait mal, les gens vont pouvoir participer et on a enfin des locaux pour les faire venir et ça va être sympa parce qu'on va pouvoir bosser à l'abri. Qui plus est isolé et manque plus qu'un petit chauffage. Bon, tu vas voir la banque, tu demanderas un petit crédit à la banque pour le chauffage. Et un peu de lumière, il faudra qu'on mette des fenêtres. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir de la lumière aussi. Hein. En tout cas, c'est une grotte. Et là, tu vois, donc là, on garde cet espace-là pour vraiment l'espace communautaire. Là, on a au moins 200 mètres carrés hein, ici, hein, mine de rien. En tout, tu as presque 600 mètres carrés. Donc, tu dois avoir 200 mètres carrés là, 200 là, 200 là. Donc là, tu vois, on met 200 mètres carrés, on met un petit atelier et tout pour recevoir les gens, on fait les tests produits avec eux. On les amène pour tout ce qu'on va développer après. Et puis là au milieu, on met maman, tu vois, c'est un petit peu cloisonné et tout. On peut faire la boutique ici. Comme ça, même les gens qui viennent, ils ont accès à la boutique, ils peuvent tout voir. On va vraiment voir la chaîne de l'intérieur. Et puis toute la partie tournage méca, on peut la faire là-bas. Comme ça, on se fait un petit studio de tournage sympathique. Quoi. Tu l'as vu que t'as envoyé du lourd. On tient toujours nos promesses. Bon, alors bien sûr, ça reste pas. Hein. On se lance pas dans la nacelle. On ne se passe pas un tracteur ni un mini-pelle. Bon, à la limite, celui-là, si vous voulez le voir, on peut le garder, hein, ça peut être marrant. Hey, regarde-moi ça, une belle bête là, et on se le fait tourner 100% P18, même sans pas d'huile. Voilà. Et le tout avec les abonnés. Et le premier qui arrive à le serrer, il l'a gagné, et il le débarrasse. Hey, c'est plus les voitures que je vais pouvoir acheter avec ça, on va carrément pouvoir ramener des bus. Putain, on va faire le remake de Villebrequin, ramène les bus, et eux, ils font les cons. Voilà. Ouais, là, il y a de la place aussi ici, hein. J'ai enfin terminé de travailler cassé en deux sous la voiture. Regarde, un petit trou à colonne, mon gars. Un petit peu de verdure en plus, il y a un petit rayon de soleil. Là, tu reprends ses droits. Ouais, t'imagines là? Regarde. Petit espace pour ton garage, là. Comme ça, maintenant, t'as de la place, mon gars. Tu peux mettre toutes les machines que tu veux. Je vais pouvoir acheter deux, de la bagnole. 2-3, non, 5-6 là. Tu me feras le plaisir de fermer le toit. Hein, parce que là, tu vas prendre la flotte quand même. Non, c'est la ventilation. Voilà. Ah, putain, il y a de la place. Hein. Tu vois, je me prends ça. Hop. Là, je peux mettre deux énormes ponts. Comme ça, je peux faire deux projets en même temps. Là, je fous la cabine de peinture. Au centre, on fait un petit espace atelier de, tu vois, test produit, entretien, lavage et tout. Ça peut être carrément chouette. Hein. Ouais, ça va te changer ton poulailler. Hein. De mes poulaillers, s'il te plaît, il y en avait 3. Bon, ouais. Maintenant, il va falloir rendre ce lieu magique. Décoré. Il y a du boulot avant qu'on puisse y projeter. Ouais, mais ça va être chouette. Hein. Ouais. T'imagines, je vais pouvoir mettre un pont et aller travailler à l'escabeau sous la voiture. Ah, mais regarde, pendant qu'il y en a qui vont prendre des vacances, bah, on va pouvoir passer ce bel été
à travailler, à faire les travaux. Ça s'annonce pour l'instant bien pourri, mais en tout cas, pour rendre ça magique pour la rentrée. Ouais, ça va être une belle surprise qu'on leur prépare là. Hein. Ça, on va pouvoir tous bosser là, changer de décor, améliorer la chose, améliorer le confort, améliorer les projets, faire participer les gens. C'est ça. Et ça va être chouette, ça va être chouette. On pourra maintenant dire qu'il y a un lieu pour pouvoir venir. Voilà. Plutôt que de venir frapper à ton portail. Et du coup, est-ce que le rassemblement, ce serait peut-être pas l'inauguration du bâtiment? Ah, pourquoi pas. On va y réfléchir. Je crois qu'on va leur montrer après. Je crois qu'il y a un petit peu de terrain derrière. Il y a peut-être de quoi faire quelque chose derrière aussi pour la communauté. On va mettre quelques petites bagnoles. On va voir tout ça. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais pouvoir faire deux projets sans me déchirer le calbar sur la servante. Tu vois, je devrais avoir assez de place pour pouvoir tourner. Regardez un petit peu l'espace qu'on va avoir ici. Donc là, imaginez un petit peu qu'on va mettre un premier pont élévateur, qu'on va pouvoir mettre dans l'autre coin là-bas un second pont élévateur pour vraiment avoir deux ateliers méca. Donc, généralement, on a plusieurs projets en même temps sur la chaîne YouTube. Donc on pourrait même techniquement en mettre trois. Donc peut-être qu'on mettra la cabine de peinture et deux ponts. Voilà, là, les idées me viennent comme ça. Il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à tout ça. Je voudrais aussi un bel espace pour vraiment être dédié aux tests produits. Que ce soit enfin tout ce qui va être esthétique, donc intérieur, extérieur, donc peut-être qu'on se fera une place au milieu ici, ou peut-être un peu en longueur là-bas. Bon, je pense qu'on a encore pas mal de temps pour réfléchir le temps que les travaux commencent, mais y a du potentiel. Bon, on va aller voir un petit peu les extérieurs, voir ce qu'on peut faire maintenant. Ouais. Allez. On vous embarque. Venez avec nous. Ouais, du coup, dehors, le projet c'est quoi? Monter des buildings, faire des stands de lavage, ouais, faire un peu de potager. J'étais persuadé que les poulaillers ça te manquerait, je pensais peut-être faire quelques petits poulaillers quoi. Ouais, je pense qu'accessoirement on pourrait faire un petit potager, comme ça quand les abonnés vont venir ils pourront manger des produits, tu vois, bio. Bio, voilà, exactement. Et les tomates GLB, vous pouvez t'imaginer. Imagine, après on pourra se lancer dans les tests d'engrais quoi, t'imagines. C'est pas beau ça en pleine campagne. Faut pas perdre le fil, on va rester sur les bagnoles, c'est très bien. Ouais, mais on pourrait cultiver de la betterave, fabriquer du carburant, l'éthanol gelé. Et voilà, et comme ça on pourrait mettre du carburant gratos dans notre bagnole, tu vois. Bon, et on a de la chance. Il fait beau aujourd'hui. Bon, bah là il y a aussi un peu de travaux aussi quand même. Ah regarde là, hey. Un petit bitume là, tout goudronné. Regarde Nibiche là, Nibiche, tu te mets du goudron, d'accord. Tu mets tes petites bagnoles bien propres, elles n'ont plus les petites papas toutes sales. Des petits tuyaux d'eau là, d'arriver avec des petits karchers. Des petites places de parking en damier. C'est ça. Des petits pneus, tu vois, des bons pneus DR8 pour séparer. Et tu fais une petite évac d'eau propre pour recycler tes eaux. Et t'es nickel pour faire du lavage dehors. Ah oui, toujours recycler les eaux. Ouais. L'écologie, attention. Parce que si on fait de la betterave, il faut au moins qu'on recycle. Sinon, on va avoir de la betterave, mon gars, ça va être. Là, tu mets au moins. Nucléaire. Tu peux venir au moins avec 10 bagnoles tranquilles sans te trop téléporter. Donc là, on va pouvoir, tu vois, même si on fait un rasso, tu vois, on peut, si on goudronne tout ça, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire venir aussi les abonnés ici. Faire des barbecues avec les abonnés, il y a moyen de faire quelque chose de super chouette quand même. Là, il faudrait qu'on arrive à faire un accès un peu plus large pour pouvoir contourner le bâtiment en goudron, accessoirement. Ah, comme ça, t'es nickel. Tu peux tourner partout sans mouiller les pieds. Et même si derrière on fera pas de goudron, tu vois, au moins on a cet espace là s'il fait humide et derrière s'il fait beau. En plus, l'avantage c'est qu'on n'est pas emmerdé par les voisins. Hein. Donc du coup, là je me sens bien, tu vois. Au milieu des champs, on pourra pas dire que les gens vont râler parce qu'il est beau. Voilà, là on va pouvoir foutre des rupteurs. Bam, bam, bam. Bon, en même temps, à 3€ le mètre carré, on pouvait pas être en centre-ville. Hein. À un moment, t'as raison, rien quoi, si tu veux, hein. Tu vas faire 2 heures pour venir bosser, mais au moins t'as de l'espace. Bon, c'est pas parce que potentiellement on déménage que pour autant on va être aux abords d'une grande ville. Hein. Ça reste la campagne. Hein. En même temps, c'est ce qu'on aime. Ah, regarde-moi ça. Regarde, Bibiche, la surprise. Regarde. Là, il y a un peu de place. Bon, alors il y a un super modèle V12 là. Mais, celle-là, tu penses qu'on peut la retaper sur la chaîne?
que ça va être une piscine. Alors venez avec nous parce que on a pris ça exprès pour la piscine. Comme ça on va pouvoir faire barbecue, frites saucisses et piscine. On arrête la méca, hein. Ouais, maintenant on fait les anges. On va se lancer dans les anges de la mécanique. De la télémécanique réalité. Les merdes en direct. Voilà la magnifique piscine avec plongeoir intégré. Alors le projet, ça vous tente, la piscine, la frite saucisse? Ouais, t'as ramené ton maillot de bain? Allez. On va peut-être finir le toit quand même. Hein. Ouais, accessoirement. Puis là, regarde, on a un morceau qui est en train de s'échapper là, de profil. Il est en train de se faire la malle. Ouais, il y a quand même un bon budget de travaux. Hein. Ouais, ouais, moi je peux te le dire, il y a plusieurs zéros. Mais c'est quoi le premier chiffre? Ça commence par un 1. Et après, je crois que le deuxième c'est un 6. Et après les autres, c'est pas grave. De toute façon, après c'est la merde du banquier, c'est bien l'autre. Ouais, bah quand même, hein. Faut rembourser après. Bon, ça va être un beau projet. Un beau projet. On leur avait promis du lourd. Je pense qu'on a tenu parole. Bah, c'est bien, tu vas passer de 40 mètres carrés à 600 mètres carrés. On va pouvoir faire des plus belles vidéos. On va pouvoir faire des plus beaux projets. Ouais. Et même qu'on est déjà sur la déco du nouveau garage. Franchement, il y a moyen que ça envoie du pâté. On va essayer de faire un truc vraiment chouette parce qu'après on pourra pas changer tous les ans. Hein. Là, c'est parti, mais là vous allez avoir 10 ans le même décor, je vous préviens. Ok, il y a un crédit à rembourser, donc là, ok, on a fait les malins avant, hein, ça coûtait pas trop cher, mais là, il va falloir vous habituer maintenant. Bon, on va peut-être leur expliquer un petit peu l'histoire. Allez, c'est parti. Mickaël, je pense que la première question qu'on va nous poser, c'est d'où vient ce bâtiment? Pourquoi ce bâtiment? Tu vois, c'est sûr qu'on va avoir ces questions-là, sachant que s'il y a des abonnés fidèles, ils vont reconnaître cet espace-là, ils vont reconnaître l'établi que vous avez vu en début de vidéo, parce que finalement, on revient à la case départ, puisque ce bâtiment-là, on l'a fabriqué avec mon papa, donc à la main. Il faut bien comprendre ça, c'est que tout a été fait à la main, à deux, parfois à trois, parce que t'as contribué aussi. Voilà. Y a de ça maintenant plusieurs années. On est quand même au plus. 7 ans, je crois. 7 ans, voilà. 7 ans. C'était les locaux de l'entreprise de mon papa. Et la première vidéo, en fait, YouTube a été tournée ici, avec aucun but de devenir un jour YouTubeur, puisque j'avais perdu mon travail, je m'embêtais à la maison et j'avais tourné cette vidéo sur les injecteurs, sur ma première voiture qui était une Clio 1.5 DCI, qui maintenant, vidéo, a fait plus de 600 000 vues. Et c'est un petit peu là finalement que l'aventure YouTube a démarré, sans le vouloir. Et puis, deuxième vidéo que vous connaissez, La Fosse, quand on avait passé le Porsche Boxster du papa à l'éthanol, et ben, la vidéo avait été tournée ici. Et à cette époque-là, qui aurait cru qu'un jour ce serait nous ici? Ouais, c'est clair. C'est clair, parce que c'est un bâtiment qui est resté, faut le dire, plusieurs années maintenant à l'abandon, puisque c'était un bâtiment qui ne servait plus, qui n'avait pas été terminé. Du coup, il n'est pas hors d'eau totalement. Il restait beaucoup de frais financiers en termes de travaux. Exactement. Du coup, c'était un peu une friche au milieu d'un champ. Et puis, c'était l'opportunité à la fois de sauver cette friche et d'en faire un vrai bâtiment. Et puis de revenir un peu sources, à l'origine, ouais, sources. C'est ça exactement. Et puis de pouvoir avoir surtout de la place pour travailler. Quoi. Ouais, donc faut bien comprendre qu'en fait on revient, même en termes de sentiments personnels dans ma vie, j'ai construit ce bâtiment-là, j'avais 18-19 ans, j'en ai 28 maintenant. Donc en fait j'ai vraiment, j'en ai chié comme un rat mort, on va pas se mentir, hein. J'y ai laissé quelques calories ici. Et j'y ai passé énormément de temps ensuite pendant les travaux, parce que j'avais perdu mon travail, etc. Donc je bricolais mes premières voitures, je les ai bricolées ici, sur cette dalle ici, exactement à l'endroit où est placée la caméra. Pour l'histoire, j'ai démarré avec ma première Clio 1.5 DCI, après j'ai eu une deuxième Clio 1.9 DCI, j'ai eu trois BMW ici, j'ai eu ma MG TF et j'ai eu ma première Porsche ici. Et après, c'est l'aventure que vous connaissez à la suite de YouTube, quand mon Cayenne est arrivé et que j'ai repris les vidéos YouTube. Et entre la vidéo des injecteurs et le Cayenne sur YouTube, il s'est passé tout ça. Voilà. Voilà un petit peu ma vie personnelle. Bon, maintenant que vous connaissez un petit peu l'histoire du bâtiment et un petit peu ce que j'ai vécu personnellement ici,
On a réfléchi longuement à ce qu'on pourrait vous proposer et on va vous évoquer un petit peu tout ce qu'on a réfléchi et ce qu'on va mettre en place, parce que maintenant on n'est plus dans la phase de réflexion, Dans la phase de l'action. dans la phase de l'action. Donc ça va être vraiment en trois nouvelles choses ici. Donc va vraiment y avoir la partie ici où on va vraiment recevoir bah, vous, la communauté. On vous a toujours promis, et ça on l'avait dit, c'était que si la chaîne avait la chance un jour de pouvoir déménager pour ce genre de choses-là. Alors dans ces cas-là, pour vous remercier et pour vous faire aussi participer à tout ça, bah, de vous faire venir un petit peu au cœur du projet, que ce soit bah, dans de la mécanique, dans les tests produits, donc en fait vraiment au cœur des vidéos. Et le but, bah, ça va être de pouvoir vous intégrer dans la vie de la chaîne YouTube, donc en passant par les tests produits, puisque maintenant je ne serai plus seul à tester et à valider les produits, parce que vous allez venir tester avec nous les produits et nous donner vos ressentis. On va filmer tout ça, il y aura vraiment tout un espace communautaire. Après, l'autre partie, je vais laisser la parole à Mickaël, ça va être vraiment sur l'aspect boutique. Et donc bah, la deuxième partie du projet, forcément, elle est vraiment très intimement liée en fait bah, à tout ça, parce que c'est aussi possible grâce à l'activité de la boutique. Et du coup, bah, en fait, on va déménager la boutique pour qu'on puisse être plus grand, donc plus dimensionné, que ce soit plus pratique, parce qu'il faut être honnête, aujourd'hui, bosser dans un tout petit espace, Bah, c'est on a 8 mètres carrés de la voilà. boutique et on a agrandi un petit peu le stockage dans une surface de 20 mètres carrés. Donc on a en gros la boutique c'est 28 mètres carrés aujourd'hui quoi. Du coup, ça va permettre d'avoir quelque chose qui soit plus pratique. On le voit bien, hein, quand on lance un nouveau produit, bah, vous aimeriez bien que jamais on puisse connaître une rupture. Sauf qu'en plus de l'aspect financier qui est d'avancer de l'argent pour avoir un stock, bah, il y a aussi la place. Et du coup, en fait, bah, il y a besoin de place. Hein, parce que quand on lance un produit, on n'est pas devin. Enfin, moi, du moins, je sais pas, j'ai pas cette capacité-là encore. On ne sait pas si on va en vendre 20, 50, 100 la première journée. Donc, bah, on prend un pari, on se dit, on imagine que ce sera ça. Et puis, bah, des fois, on est surpris. Et des fois on se plante, et des Voilà. fois voilà. Et du coup, on n'a pas la possibilité de se dire, bah, on prend de l'avance, quitte à avoir 3-4 mois de stock, et puis au pire, c'est juste d'immobilisation financière, mais ça permettra aux gens d'être contents. Bah, là, ce n'est pas le cas. On Ça n'a parce pas cette qu'au-delà possibilité. du financier, il y a bah, la partie place, parce que c'est à mon domicile, c'est chez moi. Donc au-delà d'empiéter sur ma vie un peu perso, bah, à un moment on va pas déposer un permis de construire pour agrandir la maison, pour la boutique, c'est pas possible. Voilà, on était vraiment dans la limite de surface C'est ça. pour bah, accentuer les offres qu'on vous propose, quoi. C'est ça. Et puis, vous êtes nombreux des fois à avoir des souhaits de tests de produits, de référencement de produits. Aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent parfois prendre de la place. Enfin, je te donne un exemple qui est bête, mais vous êtes plusieurs à avoir demandé des seaux de lavage ou des bacs de vidange. Pour le Bon, moment, bah, un pas bac de vidange de 60 litres, par exemple, tant. bah, si j'en commande 100, bah, bon, bah, J'ai plus de salon. tu déménages, quoi. J'ai Voilà. plus de salon. Après, on fait les sauts, j'ai plus de chambre. Donc du coup, c'était nécessaire aussi pour pouvoir répondre à vos demandes d'avoir la place en fait. C'est Voilà. ça. Et puis l'aventure a été belle au début grâce à vous. Elle est encore plus belle bah, grâce à vous. Parce que vous nous suivez sur la chaîne YouTube, vous nous avez donné la confiance. Maintenant, vous nous suivez sur la partie test produit boutique. Et finalement, bah, pour nous, c'est au-delà de l'évolution personnelle, c'est aussi un plaisir de pouvoir vous remettre un petit peu au centre de tout ça. Et du coup, maintenant, la boutique sera aussi accessible pour vous sur place quand vous viendrez participer aux événements ici. Donc en fait, ce sera vraiment le but de regrouper tout. Et donc pour faire la liaison avec tout ça, c'est-à-dire qu'après, on va passer donc sur bah, le déménagement du garage. Donc, tout mon garage que vous avez connu depuis toutes ces années-là avec l'évolution en termes de peinture. On est passé de la brique rouge à la brique blanche. On est passé du béton au Dalisiflor. On est passé d'un creek à un pont élévateur. On est passé d'un démont de pneus à des machines pour démonter les pneus. Et là, bah, en fait, on pète tout et on recommence tout, mais en plus grand et en définitif. Et ça va vraiment être, voilà, ça va vraiment être une belle aventure. Vous allez avoir un nouveau décor. Là, pour la personne qui va nous filmer maintenant à la deuxième personne, eh ben, ça va être plus agréable parce qu'actuellement au garage, on ne peut plus tourner entre les voitures, les machines, etc. On ne peut plus. Donc, ça va être aussi des vidéos de meilleure qualité. On va, je l'espère, pouvoir faire plus de projets simultanément parce qu'actuellement, bah, il faut que je pousse ma R8 pour mettre la voiture, machin. Donc, je ne fais pas non plus tout ce que je veux. Ça dépend du temps que j'ai, etc. Là, on va pouvoir commencer plusieurs chantiers, notamment comme la R5. Ça va être quand même beaucoup plus agréable de la terminer ici, de pouvoir la mettre sur un pont, de refaire le plancher plutôt que de la faire sur les criques. Et en termes de rendu vidéo, ça va être différent pour vous aussi. On va pouvoir séparer les ateliers, donc faire peut-être un atelier restauration, un atelier mécanique et un atelier test produit avec peut-être des décors différents, de l'éclairage différent. Donc pour vous, ça va changer quoi? Bah, ça va vous changer
à chaque vidéo, vous allez avoir l'impression de finalement redécouvrir un petit peu un environnement différent. Donc, va vraiment y avoir une belle amélioration dans le visuel, dans la qualité du film, de la vidéo, du montage. Et surtout, bah, en fait, on n'est plus limité par la place, par la hauteur. Donc là, on va avoir des ponts, on va pouvoir lever, on va avoir un beau sol, des belles lumières. Voilà, on va vraiment mettre le paquet, c'est le cas de le dire, pour que ce soit agréable, joli et efficace. Donc, vous le savez maintenant, on a acheté la cabine de peinture. Certains m'ont dit, mais pourquoi t'as acheté une cabine de peinture intérieure alors que tu nous disais la peinture extérieure? Et bien, la réponse, elle est là. Et voilà. C'est que ça m'a permis d'économiser sur le prix de la cabine pour pouvoir acheter des lampes infrarouges pour sécher la carrosserie. Donc, en fait, je vais être mieux équipé pour la même somme que j'avais envisagée, le tout en intérieur. Et du coup, on va avoir une cabine de peinture, on va avoir des deux ponts, on va avoir une fosse, on va avoir des machines pour démonter les pneus. Et après, on va avoir plein d'autres choses, on va vous évoquer juste après. Et c'est là que Mickaël va reprendre la parole, puisque sur cet espace un petit peu communautaire, on envisage de faire des rassemblements. Donc là, bah, les rassemblements, les futurs rassos vont être ici, chez nous. On va pouvoir vous accueillir chez nous, dans nos locaux. Et vous aurez accès à la boutique, au garage. Vous allez tout voir en fait sur un seul et même événement. On va vous convier à venir tourner des vidéos avec nous. Donc, ce sera peut-être des projets mécaniques où il y aura peut-être 3 places par mois à prendre pour venir participer au projet mécanique. Dans ces cas-là, vous allez être conviés et vous allez venir chez nous. Ça va être également, et là, je le souhaite vraiment, sur la partie test produit, donc que ce soit carrosserie ou intérieur ou même les additifs avec le frictionmètre, etc. Vous allez venir, vous allez participer, vous allez donner votre avis et votre avis va être extrêmement important puisqu'il va peser dans la balance de on valide ou on valide pas. Je ne serai plus seul décisionnaire de ça, on le fera tous ensemble. Et en plus, eh ben on va mettre du très lourd, puisque au-delà de tester et de valider des produits, eh ben depuis quelques mois maintenant, on a testé et validé des services que malheureusement, vous ne pouvez pas y avoir accès, et Mickaël va vous expliquer comment on a mis ça en place. Ouais, alors la copie n'est pas encore 100% sèche, comme on dit. L'idée, c'est de pouvoir... C'est de rester aligné en fait à la mission initiale de la chaîne et de ce qui gravite autour. Bah, c'est de se dire, on permet à chacun en fait d'accéder aux meilleurs produits, aux meilleurs services pour entretenir au mieux son véhicule. Et le tout en essayant de faire en sorte de toujours trouver des trucs et astuces, des bons plans pour être le plus économe possible par rapport au niveau de qualité dont on bénéficie. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent être très efficaces, mais que malheureusement, vous ne pourrez jamais faire chez vous parce qu'il faut une machine qui vaut 3 000 ou 4 000 balles. Alors, à moins que vous regroupiez à 15 ou 20 voisins et que vous achetiez la machine, ce qui serait somme toute une très bonne idée, bah en fait, nous, on va acheter ces machines-là et on va pouvoir vous permettre d'accéder non pas pour 3 ou 4 000 euros, mais peut-être pour quelques centaines d'euros à un service bah, que vous pourriez normalement pas avoir sur vos véhicules. Et vous allez pouvoir venir le voir faire. C'est ça. Vous allez pouvoir venir nous voir au même moment. Alors, bien évidemment, quand il y aura des tournages, ce sera peut-être plus compliqué, voilà. Mais vous allez rentrer dans le cœur de l'offre YouTube. Donc, tout ce qu'on ne voit pas dans YouTube, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas et très peu de choses qu'on voit. Et finalement, bah, au-delà, voilà, vous allez venir en fait chez nous en immersion. Et au moins, on est sûr de la qualité de prestation qui vous sera offerte puisque ça reste toujours dans la lignée. Donc, la machine sera validée, la prestation sera validée. Et les gens qui vous feront cette prestation-là seront validés par nous également. Donc en fait, du coup, voilà quoi. Ouais, et en fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre que finalement, bah, tout est lié. C'est-à-dire ces 3 projets, à la fois te donner la place et la possibilité bah, de faire quelque chose d'encore mieux pour offrir aux spectateurs bah, un meilleur contenu et puis plus de possibilités avec des prestations que tu pourras faire toi-même, mais qui seront peut-être plus variées, plus techniques, plus complexes, plus visuelles. C'est de se donner la possibilité aussi d'accompagner la croissance de la communauté avec une boutique plus dimensionnée et qui permet de répondre aux besoins et pas que vous ayez besoin de m'envoyer un mail pour dire « Écoute, ça revient quand les trucs ?» Et ça revient quand ?» Et ça, j'en sais rien. Le fournisseur, il met 3 pour me livrer. Derrière, vous en avez acheté 50 quand je pensais qu'on en vendrait 20. Donc forcément, bah, il faudra attendre encore 2 semaines que je le reçoive. Bref, tout ça, ça va être terminé. Et puis, bah, surtout, le plus important, c'est de se dire bah, « Il ne faut pas qu'il y ait 2 mondes qui soient créés. » Moi, c'est un peu ça que des fois que je perçois, c'est que les gens, ils imaginent qu'il y a 2 mondes. Il y a un monde commercial et puis il y a un monde de la vidéo. Alors, et puis, tout est lié finalement. Et qu'eux, ils sont à distance et qu'en gros, ils sont juste des spectateurs. Bah, l'idée, c'est de faire en sorte que vous soyez plus seulement des spectateurs, mais des acteurs dans cette troisième partie où, pour le coup, elle sera quasiment intégralement dédiée à soit des services
pour les abonnés, parce que ça sera principalement eux qui viendront assister aussi à la prestation pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Et même mieux que ça, et vous nous avez demandé un garage communautaire. Je vous ai dit qu'on le fera jamais parce qu'on ne peut pas ouvrir pignon sur rue. On n'a pas le temps. Il y a, voilà, comme je vous dis, en off, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Mais par contre, le garage communautaire, on va le faire à échelle réduite pour la communauté. Et il y aura des inscriptions. Ce sera peut-être à déterminer encore, mais peut-être 8 ou 10 personnes qui vont pouvoir venir réparer leur voiture avec nous. Et on va vous aider à réparer vos voitures ou à faire vos entretiens. Il y aura des thèmes, il y aura des rendez-vous, des dates de fixer. Et tout ça, ce sera fait ensemble. C'est ça. Alors, de là, vous donner une date, on va pas s'avancer parce que je pense que vous l'avez un peu de boulot. Vous l'avez vu autour de cette vidéo. La première chose, en fait, ça va être de faire un espace où on va pouvoir travailler. Aujourd'hui, quand il y a 15 cm de dénivelé entre un point A et un point B, ça me paraît être compliqué de pouvoir travailler correctement et de mettre un pont qui va être droit, par exemple. Donc du coup, première étape, c'est que les travaux vont commencer et on va déjà essayer de se mettre au sec, faire en sorte que la toiture ne laisse plus passer la flotte, qu'on ait une chape qui soit digne de ce nom, et puis qu'on puisse rouler autour du bâtiment sans rouler dans le gadou, parce qu'en Normandie, il flotte quand même un peu. Et puis après, les choses vont se faire au fur et à mesure. Il y aura probablement des étapes de peinture, de décoration, d'électricité. Et d'ailleurs, on va vraiment vous faire suivre tous les travaux, parce qu'au-delà que ce soit notre bâtiment, c'est aussi votre bâtiment, parce que vous avez compris qu'on va vraiment vous intégrer dans ce projet-là. On va vous dédier un espace pour vous. Donc en fait, c'est aussi normal pour nous de vous faire vivre un petit peu les travaux. Peut-être pas au quotidien, mais toutes les semaines de l'intérieur. Donc on viendra toutes les semaines réaliser une vidéo sur l'avancée des travaux. Vous rencontrez peut-être les différents artisans, ce qu'ils ont fait, peut-être les changements qui vont être faits, les adaptations, etc. On va vraiment, une fois par semaine, vous intégrer une vidéo, des travaux sur l'évolution de tout ça. Et bien évidemment, le jour J où ce sera fini, et ben on tournera la vidéo, mais avec vous pour l'inauguration. Voilà, ce sera l'occasion de se faire le premier event ici. D'où le RASO qui n'avait pas de date, qui avait pris un petit peu de retard. Donc il n'y a toujours pas de date parce que la date sera fixée déjà en fonction de l'évolution des travaux. Mais bien évidemment, le RASO se fera ici avec l'inauguration, avec vous et avec la caméra pour la dernière vidéo de ce projet totalement fou. Et on espère un peu de beau temps dans une période où logiquement on n'en a pas beaucoup. Voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère sincèrement que ce projet va vous plaire autant qu'à nous. On y a mis de l'investissement personnel, du temps, de l'argent. Et à mon avis, on n'a pas fini. Ça ne fait que commencer. Mes cheveux blancs vont encore pousser. Ça ne fait que commencer. C'est là en plus où tu vas commencer la phase de toutes les surprises. Mais les mauvaises en général. Ouais. Eh bien écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. N'hésitez pas, et là ça devient important, à nous suivre sur Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Comme ça, vous allez suivre un petit peu tout l'avancement, peut-être plus rapidement qu'avec les vidéos. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les futures vidéos. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir suivre ce projet totalement fou, et assez couramment. Et écoutez, à très bientôt pour tous ces changements. Allez, ciao. Ciao.